Tu veux goûter un délicieux burger à la fraise? Oh, j'ai oublié les poupées. Elles ont besoin d'être nourries. Voilà, tenez. Et c'est l'heure de la coiffure du soir. C'est l'heure d'aller au lit, Kate. Oui, maman. Bonne nuit, les gars. C'est l'heure de se coucher, tout le monde. J'éteins les lumières. Alors, il est temps de lancer notre challenge cool. Regardez comme la fourchette de Monica est petite. Oui, super petite. Goûtez tant que vous voulez. Je me débrouillerai très bien avec elle aussi. Oh, les macarons, j'adore. C'est dommage qu'il y en ait si peu. Et je n'ai pas besoin de cette fourchette. Monica n'a pas l'air d'être de bonne humeur. Je sais pas ce que je vais m'y mettre. Et pourquoi j'ai besoin de ces couverts, hein? Je peux très bien me débrouiller sans eux. C'est tellement bon. Oh non, un morceau de fromage est tombé en plein sur ma chemise. Oh, c'est dégoûtant. Quelqu'un a de gros problèmes. Je vais comme si cela n'est jamais arrivé. Mon tour. Mon burger est tellement énorme. C'est pas très facile avec cette fourchette. Je vais essayer sans ça. Par quel côté commencer? Je sais pas. Quand on semble avoir besoin d'aide. Waouh! Quelle idée! C'est fait? Ouais, merci les filles! Oh, ce n'était pas facile. Il est grand temps de commencer à manger un burger super savoureux. Je prendrai la première bouchée pour commencer. Oh oui, le goût est divin. Qu'est-ce qu'il croit faire? En fait, nous avons fait tout le travail. Donne-nous un burger aussi. Et qu'est-ce que vous faites? C'est mon burger. Oh, ça fait trop mal. Non, quelle fourchette. Oh, je vois trop d'étoiles. Oh, mais content. Tu le mérites. Top là, copine. Pour une nouvelle série de challenges. Pourquoi y a si peu de bois boba? Pas mal, mais il aurait pu avoir plus. Waouh, c'est juste une énorme quantité de bois boba. Quelle chance est là. Aujourd'hui, c'est pas mon jour. J'ai hâte de commencer à manger mon énorme bois de bois boba. What? Comment je suis censée tout manger? Une idée. Désolée Monica, mais tout est dans les bonnes choses. Ouais, on prend un baboba et on la met dans la bouche. Oui, génial. Et on fait une grosse bulle. On mange tout. Oh, il mange tellement. Hé hey, Monica, regarde ce que j'ai fait. N'y pense même pas, Quentin. T'es vraiment un antelon, Monica. Et je mangerai comme une vraie princesse. Avec une fourchette. Presque comme des spaghettis. Je m'aide un peu avec mes mains. C'est ça, parfait. Oh! Oh, quelque chose ne va pas, aidez-moi! Ouais, je pense que la fourchette est coincée dans la gorge de Monica. Oh, laissez-moi vous donner un coup de main. Oh, je crois que j'en ai trop fait. Je vais enfin pouvoir descendre dans mon baboba. Alors, est-ce que vous allez bien? Mieux vaut ne pas demander. Bon. Je vais te manger en même temps. Un délice incroyable. Il va vraiment tout manger. C'est fait. C'est incroyablement délicieux. J'adore le baboba. Et maintenant, regardez ça. Wow. Quel ballon. Quel énorme ballon. Nous devons nous cacher plus vite. Donne-moi aussi un peu d'espace. Oh! Je pense que j'ai exagéré la taille de la bulle. Je suis couvert de chewing-gum. Oh, je pense que j'ai eu de la chance cette fois-ci. Un seul œuf. Ça a l'air méchant. Oh. C'est énorme. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Écoutons tous ensemble. Hé, hey, pourquoi vous vous accrochez tous à mon œuf? Tu ferais mieux de vous occuper de votre. J'en ai vraiment pas envie, honnêtement. Vas-y, mange. Regarde, j'ai fermé ma bouche et j'ai jeté la serrure.
Oh, qu'est-ce que j'ai, Emma? Une plume! Je pense que quelqu'un est sur le point d'éternuer. Tiens, l'œuf! Oh non! Je crois que l'œuf est dans ma bouche! Non, horrible! Je vais être malade! Tu veux esquiver le défi, Emma? Non! À ton tour, Monica! Eh bien non! Ça a l'air horrible! Je suis censée manger ça? Allez, allez, Monica! Et non! J'ai passé mon tour! Non, c'est pas juste! Bon, c'est l'heure du déjeuner! Oh, j'ai oublié quelque chose! Une viande savoureuse! Ça fera un excellent steak! Génial! Oh, d'où vient l'œuf? Très étrange! Jetons le dehors! Quel joli tour j'ai fait avec l'œuf, hein? Oh non, qu'est-ce qui vole vers ma tête? Quelle abomination! D'où vient ça? Oh, si tu l'enroules dans un tube, tu peux manger tout ça comme un sandwich. Voilà, c'est fait. Bon, et maintenant, c'est l'heure de mon œuf mystère. Cela semble mystérieux. Je crois que ça a bougé. Bon, il y a définitivement quelqu'un à l'intérieur. Bon, allons-y. Allez, Quentin, allez. Bonjour à tous, les gars. Oh, il est si mignon. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est le feu. Non! Il ne semble pas être aussi mignon qu'il en a l'air. Quentin, il s'envole. C'est probablement pour le mieux. Et le dernier tour du challenge. J'en ai tellement marre d'attendre. Waouh, enfin! Et moi? M'ont-ils oublié? Juste un petit KitKat! Ouais, oui, oui, j'ai un grand KitKat cool! J'ai peut-être manqué quelque chose! Où a pu passer mon goodie? Peut-être que c'est là-dedans? Vous l'avez vu? Nous n'avons rien vu, Emma! On dirait que quelqu'un n'a pas de chance cette fois-ci! Ouais, je vais prendre mon petit KitKat et je le comparerai au KitKat de Quentin! Il est vraiment super petit! Eh bien, mangeons ce que nous avons! Directement dans la bouche, génial! C'était génial, Monica! Bien joué! Maintenant, je n'ai rien mangé du tout. Et... Allez, Quentin, mange ton KitKat. Ouais, j'adore le KitKat. J'aimerais avoir une pièce aussi. Oh, Monica fait une tentative sur mon KitKat. Je dois les protéger. Je ne vous laisserai pas manger mon KitKat, pas du tout. Quentin, ne sois pas radin, nous devons partager. Oh non, mon KitKat est cassé. Il a l'air d'une saucisse. Il est doux, hein? J'ai une idée. Je vais juste le presser comme un milkshake au chocolat. Pas tout à fait comme je l'avais imaginé, mais il semble que j'ai perdu quelques morceaux en cours de route. Mais c'est quand même super savoureux. Vraiment. T'es encore moins content. Oui, cauchemar. Désolée les filles, mais je voulais vraiment manger mon KitKat. Comment cela se fait-il? Je n'ai rien reçu du tout. Oh, c'est quoi ce bruit? C'est impossible! C'est... C'est un énorme KitKat! Il est plus grand que moi! Ouais! Non, c'est tellement énorme! Regarde, Monica, ce KitKat est comme un énorme gratte-ciel! Mais comment je suis censée le manger? J'ai une idée! Je vais le prendre et je vais l'avaler tout entier! Oh, c'est tellement bon! Miam, miam! Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec mon estomac? Monica, sauve-moi, ça va exploser! Oups! Ah, je crois que j'ai aussi avalé un paquet. Ce n'est pas grave. Tu nous as fait peur, Emma. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche. Tu seras au courant de tous les nouveaux challenges. À bientôt!